Bonjour à tous, c'était Savoirlet, je fais du ski alpin. J'ai été élue une des porte-drapeaux de la délégation française. Ça a été une grande fierté, beaucoup beaucoup de joie. J'ai envie de partager un maximum d'émotions avec tous les athlètes, de partager notre expérience et aussi de me nourrir de tous ces grands athlètes qui forment la délégation française pour ces Jeux. On part à Pékin avec énormément de détermination, de volonté, de plaisir. J'ai envie de le transmettre au public. Voilà, on vous fait confiance pour nous soutenir un maximum et nous envoyer toutes vos ondes positives depuis la France pour qu'on puisse ramener un maximum de médailles. Ça fait vraiment plaisir d'être porte-drapeau. Je suis vraiment heureux de représenter la France au plus haut niveau. Je tiens aussi à remercier tous les athlètes qui ont voté pour moi et j'espère les emmener correctement lors de cette cérémonie d'ouverture. Je prends ce rôle très à cœur. Je compte vraiment emmener les athlètes dans de bonnes conditions aux Jeux paralympiques de Pékin. Qu'ils puissent compter sur moi, qu'on soit tous ensemble, une équipe soudée et en espérant vous ramener un maximum de médailles et faire plaisir aussi au grand public. Nous, athlètes, on a vraiment besoin de vous, de votre soutien. Regardez la télé, France Télévisions, du 4 au 13 mars prochain et nous, on va essayer de vous faire rêver en ramenant plein de médailles. C'est juste une énorme fierté. Jamais je me serais attendu représenter la délégation française aux Jeux Olympiques. Donc je suis heureux, je suis super motivé pour essayer de rebooster cette équipe de France pour aller chercher le plus de médailles possible. Et puis c'est une fierté aussi personnelle forcément. Après ce qui m'est arrivé, le fait de revenir de mon accident sur les Jeux Olympiques, mais en tant que porte-drapeau, c'est symboliquement c'est fort. Soutenez tout le monde à fond parce que ça va envoyer du gros.